En province de Liège, la Vestre a creusé une vallée où l'industrie de la métallurgie ou encore de la laine a connu des siècles de gloire. Aujourd'hui, ces régions investissent dans d'autres domaines. Mais l'eau garde une place très importante dans le cœur de ses habitants. Ici, les sources sont nombreuses et certaines jaillissent à plus de 36 degrés, un fait unique en Belgique. L'importance de ce patrimoine naturel est depuis peu mis en lumière pour les touristes et les prochaines générations. Sur les hauteurs, les chapelles et les églises invitent également à la promenade. Des lieux préservés où il fait bon méditer ou tout simplement déambuler à la découverte d'un patrimoine religieux riche et magnifiquement conservé. L'abbé Pierre Annecey est responsable de 11 clochers qui vont de l'entité de Trot à celle de Chauxfontaine. Et pour le seconder, une solide équipe s'est impliquée dans tous les aspects de la vie pastorale. Au cœur de cette unité, le petit village de Vaux-sous-Chèvremont, lui aussi en bord de Vestre. Son église est dédiée à Notre-Dame. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, le curé de l'époque et son vicaire trouvent la mort dans le bombardement qui va détruire complètement l'édifice. Rebâti dans ce style moderne et épuré, elle invite tout naturellement à pousser sa porte et à s'y recueillir.